Voilà, on va dire bienvenue une fois de plus à ce énième numéro de l'émission Le Triangle du Savoir. Je vais dire salut ou bonjour, bonsoir, selon le point sur le globe où vous nous recevez. Et donc, c'est comme d'habitude, ce jour, on se retrouve pour un numéro de l'émission Le Triangle du Savoir. Est-ce que l'Afrique, on peut dire que l'Afrique a une science? Est-ce que peut-être des sciences? Est-ce que, bon, mais généralement quand on parle de l'Afrique, on dit, mais l'Afrique, c'est vraiment la tradition et aujourd'hui, on combat la tradition et tout. Pourquoi? Parce que sûrement, peut-être qu'on ne comprend pas c'est quoi la tradition. Est-ce que, bon, parce que, bon, l'Afrique n'a pas eu d'écriture, peut-être presque on l'a embrouillée dans sa façon de se développer. Et on nous colle ça, cette étiquette, que non, on n'a pas d'écriture, on n'est que des traditionnalistes, on n'a pas de science et tout. Et donc pour cela, il se pose toujours un certain nombre de questions dans notre vie, dans la façon de réfléchir, notre évolution et tout. Et dans ce sens-là, j'étais en train de me positionner, enfin de me poser ces questions. Et donc je me suis dit, est-ce que la tradition... n'avait pas quelque chose de caché à l'intérieur, qu'aujourd'hui, avec l'intelligence que nous avons, qu'on peut dire que c'est une science. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ce soir, d'aujourd'hui, disons comme ça, Afrique, tradition et science. Alors, je me suis dit, qui va m'accompagner dans le débat, dans la discussion, dans la réflexion? J'ai vraiment regardé autour de moi, ceux qui ont l'habitude de passer avec moi. Je n'arrivais pas et puis dans mes recherches, je suis tombé sur quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un-là qui va être l'invité de ce numéro. Bonjour et bonsoir. Bonjour, bonjour, grand frère Emery, bonjour. Voilà, donc c'est lui. Il va lui-même se présenter parce qu'il y a des noms que je n'arrive pas à prononcer malgré que je suis un petit lettré. Bien, je suis Ovunda Nanou, et dans mon domaine, on m'appelle par Timacho, mais je suis aussi un Nzaï Djanza. Un Nzaï Djanza, c'est un scientifique de l'univers, c'est quelqu'un qui étudie la science universelle. Voilà. Donc vous avez compris, il a dit Nzaï Dianza. Nzaï, la science. Dianza, c'est l'univers. L'univers ou les Quoi? Ou univers. les univers. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai dit, bon, je vais le voir. On a discuté un peu, je dis, bon, mais vraiment, viens répondre à quelques préoccupations. Je joue en ce moment-là le rôle du téléspectateur qui se pose des questions et je me mets ici à la place des téléspectateurs. Donc voilà un peu. Dans ce sens-là, j'ai réussi à voir donc, ce monsieur, donc Nanou Ovunda, qui est donc, on va dire, Un scientifique traditionnel. scientifique traditionnel. Alors, en fait, cette émission, elle est très pédagogique. On va toujours par les principes de définition de concept d'abord, parce que nous voulons qu'à la fin de l'émission, tous ceux qui auront suivi vont être capables d'eux. Il y a un objectif par rapport à chaque thème. Alors, donc, je voudrais qu'à la fin de cette émission, que tous ceux qui auront suivi se rendent compte que, pour moi, tel que j'ai imaginé la chose, que la tradition africaine est une science. Tout à fait. À la fin, ils doivent être capables de comprendre Comprendre. que la tradition africaine est une science. Et donc, ils peuvent faire des démonstrations pour dire que oui, tel fait qui est comme ceci, qui est traditionnel, au fond, c'est ceci, donc c'est scientifique. Voilà. Alors, nous partons par la définition des concepts. Bon, on va dire, les grands mots, c'est Afrique, tradition et science. Bon, pour vous, l'Afrique, c'est quoi? Bon, déjà, l'Afrique, de son vrai nom, Katiopa. Katiopa qui veut dire terre des hommes noirs, hein, des humains noirs, de race noire. Est un continent qui déjà est très chargé sur le plan énergétique. Donc le Kusimu définit l'Afrique comme étant un territoire chargé de plus ou moins 5% de l'énergie d'un Ntangu, qui est le soleil,
Et donc, c'est grâce à cette énergie qui se cache au centre, au centre du globe terrestre, précisément au centre du Congo. C'est celle qui nous remplit de mélanine et qui fait que nous soyons fils du soleil. Voilà, donc l'Afrique, effectivement, c'est la terre des hommes noirs, des hommes mélaninés. Voilà, donc c'est clair, ça c'est la définition qu'on donne à l'Afrique. La tradition, c'est le deuxième terme qui est là. On dit Afrique, tradition et science. Donc la tradition, c'est quoi pour vous? Bien, la tradition est une doctrine qui se transmet de génération en génération. Maintenant, dans la science du Kusimo, parce qu'il faudrait que je définisse d'abord avec la langue française, d'accord, mais aussi de convertir ce mot dans notre langue. Chez nous, la tradition, c'est le Kikulu. Alors, le Kikulu, c'est marcher sur le feu de la voie ancestrale. Voilà. Il faut suivre le feu des anciens. Il y a le ki, parce que c'est un mot composé, il y a ki, et il y a kulu, kikulu. C'est le diminutif de kuluntu. Donc, ki, qui est l'énergie centrale, doit effectivement être le guide de nous qui sommes les successeurs des anciens. Donc, le kikulu, donc la tradition, c'est une doctrine qui se transmet de génération en génération, par rapport aux principes moraux de chaque peuple. Voilà, nous allons continuer. Le dernier concept qui nous reste, c'est justement la science. La science, oui. Bien, mais la science est une étude qui nous permet de traiter le naturel et de mettre en place les multiples éléments étant de ce naturel, de manière à sortir toutes ces valeurs absolues et de commercialiser, par exemple, et puis de mettre sur le marché. C'est que on met sur le marché et puis... Je mets une pause. Oui. Oui. Donc, en fait, la science, c'est l'étude du naturel, d'accord? Oui. Et nous sortons les valeurs absolues. Par exemple, la Terre a une valeur absolue, la Terre se traite, et de la Terre, aujourd'hui, avec la science, ça nous donne, par exemple, du verre. Voilà. Donc, la science, c'est développer, rendre le brut de manière à l'industrialiser. Voilà. OK. Alors, le problème, c'est que, je venais de dire au départ, généralement, moi, j'appelle ça le concert des nations. Lorsqu'on arrive là, au carrefour, là, à la croisée des cultures, on dit non, l'Afrique, vous n'avez rien. Que la tradition. Bon, mais c'est ça le problème, que la tradition, mais c'est quoi la tradition? Alors qu'il y a des phénomènes qui à un certain moment ne trouvent pas d'explication, ou peut-être qu'on ignore, on ne peut pas expliquer, ou qu'il y a des gens qui détiennent les connaissances, qui détiennent l'explication. Je me souviens quand j'étais étudiant, je travaillais à l'aumônerie universitaire, puisque j'étais membre de, bon, on va dire ça comme ça, dans les communautés, on va dire au niveau de l'église, dans les différents regroupements, on a un regroupement des jeunes qu'on appelait la JEC. Et en ce moment-là, j'étais chargé de la formation et de l'éducation au niveau national. Et on a organisé, on avait l'habitude d'organiser avec le concours, bien sûr, de l'abbé Ouamba, le feu, père son âme, d'organiser des conférences. Et parmi les conférences, il y a eu une conférence où on parlait du feu, hein, la foudre. Oui, oui. Voilà. Et on a invité un certain Itou Sibara, foudrologue, qui a fait des démonstrations. Je suis resté, mais pourquoi on dit qu'on n'a pas, il n'y a pas la connaissance? Non, c'est la tradition. Je me suis dit, mais dans ça, c'est une science. Tout à fait. Alors, science. Et j'ai commencé à me dire, mais il y a quelle relation donc entre la tradition et la science en ce moment-là? Bien, déjà, la foudre, dans la foudre, nous avons deux éléments principaux. Nous avons l'eau, nous avons l'air, déjà. Or, il s'avère que l'air, nous l'avons aussi en nous, d'accord? Dans nos poumons, nous respirons l'air, nous avons aussi l'eau. Dans le sang, par exemple, nous avons l'eau. Et donc, tout ce qui existe dans l'homme existe dans l'univers. Et donc, la loi de la foudre est une loi
qui a sa formule mathématique déjà, une formule mathématique fixée, elle est constante, elle ne bouge pas. Lorsque l'humain, lorsque l'Africain rentre en lui-même et lorsqu'il pénètre ces zones les plus inaccessibles, parce qu'il y a des zones en nous dont nous n'avons pas reconnaissance. Donc lorsque l'humain rentre en lui et se met en harmonie avec les éléments miniaturisés en lui qui sont dans l'univers, en ce moment, il a la capacité de prendre les secrets de la foudre intérieurement, en lui-même. Il rentre en lui et puis en ce moment, il sort. Parce que les méthodes, il y en a plusieurs. Les méthodes, les codes, il y en a plusieurs. Les codes pour faire appel à la foudre, il y en a assez. Mais déjà, lorsque vous avez la connaissance des principes de l'eau et des principes de l'air, vous parlez à l'élément eau et à l'élément terre. Ensuite, vous appelez la foudre, simplement. Oui, bon, en fait, je parle de relation science, oui. C'est tradition. Oui. C'est ça, cette relation-là. Où je veux dire que, bon, on est pour nous, c'est lorsqu'on dit non, mais pour faire, par exemple, faire retentir des tonnerres, il y a des anciens qui savaient quelles feuilles et quelles feuilles mêler, mettre ensemble, et puis sûrement faire une incantation, et puis vous entendez la foudre, le grondement de tonnerre. Tout à fait. Voilà. Mais non, quand j'ai pris l'exemple de la foudre, c'est, vous voyez, il y a dans certains films, nous voyons, l'occidental, hein, on dit non, c'est un pyromane. Oui. Il fait, toi, il fait, il manipule, il fait, vous voyez, il y a le feu qui sort en dessous, ses deux mains, et puis hop, il jette. Moi, je dis ça, c'est la foudre. Oui. Puisque chez nous, on dit aussi que non, mais il y a quelqu'un qui a piégé une foudre, qui a jeté. Donc je me dis que c'est dans la même. Mais pourquoi c'est resté traditionnel? Ou sinon, on va dire, cette connaissance-là, on ne l'expose pas comme étant une science et qu'on fasse des démonstrations. Bon, mais cette connaissance, c'est en fait la tradition. Parce que déjà, il faut savoir que l'Africain, à la base, les scientifiques africains ne séparaient pas la science à la tradition, déjà. Ils ne séparaient pas la science à la tradition. Tout comme ils ne séparent pas, jusqu'aujourd'hui, l'Africain ne sépare pas la science et la tradition, et la science et la spiritualité, déjà. Ce qui est traditionnel et scientifique. La foudre, par exemple, quand on prend l'exemple de la Terre a une tradition, d'accord? La Terre est développée, mais elle a une tradition. Sa tradition, c'est laquelle? C'est de tourner tout autour du Soleil, tout le temps que le système solaire existera. La tradition de la Terre, c'est de tourner tout autour du Soleil et de prononcer des phrases, des paroles subtiles que nous, on ne maîtrise pas. C'est une tradition. Pourtant, l'humain ne peut pas percevoir cela directement, mais c'est comme ça, c'est une loi, c'est fixé. Alors, la tradition, lorsque nous voyons des humains manipuler la foudre, par exemple, eh bien, il faut savoir que la foudre, déjà, elle dégage des fréquences, d'accord? Or, l'humain aussi dégage des fréquences. Nous dégageons des fréquences. Il y a des techniques, par exemple, où, pour faire appel à la foudre, il faudrait prendre certaines herbes, enfin, il faudrait prendre des ceintures et tout ça. Mais il ne faudrait pas oublier que tous les éléments ont des valeurs absolues. Or, les valeurs absolues, une valeur absolue, dégage la présence de la vie. Maintenant, lorsque cette présence est orientée à un but donné, eh bien, il y a le résultat qui va avec. Je m'explique, je vais descendre un peu plus. La foudre, la tradition, nous permet de décoder certains phénomènes universels qui nous emmènent à avoir des résultats assez subtils. Voilà. Donc, le scientifique qui rentre dans son laboratoire, qui anime les électrons, les neutrons, et puis paf, il y a une réaction, eh bien, c'est juste le lieu qui change. Parce que lui, il est dans un laboratoire, mais le monsieur l'Africain qui est dans la forêt fait les mêmes choses, sauf qu'il le fait à ciel ouvert. Il le fait avec les éléments naturels. Or, que celui qui est dans le laboratoire, lui, il le fait avec des éléments traités déjà. Donc, il prend un bocal, il met une substance, il met du carbone, il met de l'acide sulfurique, paf, paf, il y a un résultat. Mais l'acide sulfurique, il y en a dans les forêts, il y en a dans la nature. Oui. Il y a le fer, il y a des électrons, il y a des neutrons partout.
Donc, celui qui est traditionnel ne fait que la science, parce que les mêmes éléments que le scientifique dans les laboratoires utilise sont les mêmes éléments que dans la nature utilise. Voilà. Voilà. Donc, du coup, la tradition ici, la science là-bas, mais c'est la même chose parce que les éléments de base sont les mêmes. C'est pourquoi, donc, la tradition reste la science. C'est la science. OK. Je vais aller un peu plus parce que, justement, c'est ça l'objectif, oui. C'est montrer ça. Là, on a parlé, oui, on a touché au phénomène food, par exemple. Oui, oui. J'ai pris des exemples des feuilles, de quoi, comme on nous expliquait certaines choses. J'ai pris aussi ce qui se représente dans le film. Oui. OK? Oui. Mais pour moi, j'ai toujours dit hein, que ce qu'on nous montre dans les films, ce n'est pas que du film. Oui. Il y a une certaine réalité qu'eux, oui. Ils veulent montrer qu'ils maîtrisent. Tout à fait. Voilà. Et donc, je me dis que de la même manière, on peut tourner un film où, dans la forêt, on a quelqu'un qui est en train de manipuler et on représente cela aussi et on le voit. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dans la tradition, nous avons par exemple les rites de naissance. Oui. Voilà. Oui. Les rites de naissance. Dans ces rites, je crois qu'on peut aussi trouver une certaine science. Par exemple, le cas des jours. Bien, le cas des jumeaux. Déjà, il faudrait savoir que les jumeaux sont une représentation de certaines forces, de certains éléments, ou je vais être direct, de certains génies de l'espace qui, eux, travaillent en unité. Ils sont en plus et moins, toujours. Il y a le côté positif de ces êtres et le côté négatif. Bon, pas négatif, pas, je ne dirais pas positif et négatif, je dirais plus et moins. Oui, d'accord. Oui, on forme de pôle. Voilà. Pôle positif, pôle négatif. Voilà. Voilà. Donc, c'est grâce à ces forces, à ces entités, que nous avons cette génératrice qui nous permet de garder l'univers en parfaite harmonie. Parce que l'univers n'est pas noir par hasard, déjà. L'univers est chargé d'électricité, de magnétisme, pas par hasard. Et ce travail est effectué par des forces qu'on appelle... Je vais donner, hein, c'est un nom que tout le monde connaît. Des forces qu'on appelle Fumuntimba et Yanduzi. Voilà, Fumuntimba et Yanduzi, déjà. Et ces deux entités ont leur milieu, leur juste milieu qu'on appelle Makati Kaba. C'est le centre. Alors, vu qu'ils sont des détenteurs des principes, c'est comme on dit que ce qui se trouve sur Terre se trouve aussi dans le ciel. Oui. D'accord? Donc, vu qu'ils ont un rôle très important, un rôle primordial dans l'existence des vies, alors, sur le plan terrestre, lorsque nous recevons des jumeaux, il est important de fonctionner, c'est que de faire certains rites pour que la charge de ces enfants ne soit ni plus, ni moins. Voilà. Du coup, il y a des techniques données pour que ces enfants déjà de le ventre ne puissent pas perturber la maman, parce que les jumeaux ont une double énergie qui peut déstabiliser la maman, donc là, qui porte les bébés. Et donc, à ce moment, il y a des techniques assez simples pour que la femme puisse recevoir cette force, la garder dans son ventre pendant 9 mois, et puis donner alors vie à ses enfants, pour que cela nous emmène à avoir certains résultats. Parce que les jumeaux ne viennent pas par hasard hein, sur Terre. Ils ont très souvent des missions, ils viennent pour des cas assez particuliers dans les familles. D'accord? Et puis après, quand ils sortent du cadre familial, eh bien, on se rend compte qu'ils ont aussi des choses à apprendre à la société puis à tous les autres. Alors, je reste là parce que quand les jumeaux naissent, oui. Il y a une série, on va dire, une série de rites. Oui, tout à fait. Hein? Je vais... Oui, avant d'arriver, s'il vous plaît, c'est que, quand je dis série de rites, mais il y a, c'est accompagné des chants et tout, c'est pourquoi je voulais parler de, je crois que c'est Tambo de Brazzat, il y a les Nomapasa, et les Moja, Milabwana, Mubala, et c'est des chansons qui accompagnent les rites et tout. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Pourquoi, justement, après leur naissance, il doit y avoir des rites
pour que... C'est effectivement, c'est pour canaliser les énergies que ces enfants emmènent sur ce plan. C'est pour les canaliser. Il y a un rite, par exemple, qui dit que lorsque la femme est enceinte, c'est qu'une fois que le couple est au courant que c'est des jumeaux, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On prend les noix de palme, hein, bien mûres. Alors, on les pose deux. Après chaque deux jours, on pose deux noix de palme sur une table, une tablette ou sur, bon, sur n'importe, à n'importe quel endroit dans la chambre, là où la dame dort. Et donc, le matin, quand elle se réveille, elle prend ses noix de palme, elle met à sa gauche, sa main gauche, sa main droite. Et donc, elle parle. Elle parle avec son cœur, la pensée. C'est qu'elle doit parler de manière à ce que les fréquences qu'elle sente, qu'il y a des vibrations qui se dégagent. Alors, quand elle le fait, le matin, le mari, donc le père des jumeaux, lui, il le fait le soir. Et après, il verse un peu d'eau dans la chambre ou au salon, ça dépend. Et en ce moment, lorsqu'ils dorment, les enfants dans le ventre, non seulement sont focalisés, c'est qu'ils sont canalisés, mais ils ont une projection déjà. C'est que dans le ventre, les enfants ont une projection de ce qu'ils viennent faire dans ce monde, sur cette terre. Et aussi, ça les renforce, parce qu'il y a aussi des jumeaux qui, quand ils viennent au monde, mais ils ne s'entendent pas. Oui. Voilà. Et ça les aide aussi à les rassembler et de faire d'eux des super complices. Et par là, nous allons aussi comprendre que les noix de palme viennent du palmier. Or, le palmier est un arbre de transformation. Traditionnellement, nous allons dire oui, Bokabunga Kandi, Adjundika, Adjui Boye, Ati, après mon Amélie. Donc, si la personne prend les noix de palme et puis elle pile, paf. Or, scientifiquement, ça se démontre, scientifiquement. Pourquoi? Je vais prendre une petite parenthèse. Déjà, le symbole de l'Égypte antique, c'est ce que nous appelons le coco touffi. Oui. Ah, le coco touffi. Oui. Comment on appelle ça le... C'est le scarabée, c'est ça? Oui, le scarabée. Voilà. Le scarabée. Oui, c'est ça. Oui. Or, le scarabée est une créature de transformation. C'est qu'il vient d'un endroit où tout se transforme. Du palmier, on a le ntombé, les chenilles, on a le scarabée, on a le nsamba, on a l'huile de palme. Et donc, c'est un arbre qui représente beaucoup de choses et qui dégage beaucoup de force. D'accord? Maintenant, parce qu'il n'y a pas de tableau, s'il y avait un tableau, on écrivait le nom de cet arbre dans notre langue, et puis à ce moment, on tire les valeurs absolues et on sort l'équation. Donc, c'est pour dire que ces noix de palme accompagnent le rite des jumeaux, justement parce que les noix ne sortent jamais seules. C'est qu'il y a toujours un tas qui sort. Oui. Voilà. Et les jumeaux ne viennent pas seuls, ils viennent toujours. Soit deux, soit trois, même quatre parfois. Oui. Voilà. Donc, cette logique, la science de l'arbre accompagne la vie des jumeaux dans ces rites pour leur perfectionnement. Alors, vous voyez que j'ai pris le cas des jumeaux parce que je sais que c'est des jumeaux, c'est donc une grossesse pour deux enfants. Tout à fait. Mais il y a aussi, dans le même rite de naissance, il y a aussi le cas des enfants qui naissent à l'envers. Je dis à l'envers, c'est-à-dire, d'habitude, nous savons que l'enfant vient par la tête. Par la tête. Mais cette fois, l'enfant vient par les pieds. Traditionnellement, on les appelle les Musunda. Oui. Ce qui donne même le nom de Musunda aux enfants, oui, justement, qui viennent par les pieds. Oui. Cette réalité par rapport à la tradition et le côté scientifique. Bon, déjà, les Sunda, c'est des enfants qui viennent généralement pour modifier la génétique, soit du père, soit de la mère. Si vous faites des recherches, vous remarquerez que quand il y a lorsque une famille n'a que des garçons, et que finalement le papa en a marre, ou quand il cherche à tout prix une fille, en ce moment, généralement, c'est les Sunda qui descendent, qui viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont, naturellement, ils ont la maîtrise de la science de la terre. Donc la terre produit, la terre nous donne tout ce que nous mangeons aujourd'hui, nous donne tout ce que nous avons. Alors lorsque le Sunda, quand il vient par les pieds, c'est pour modifier la génétique de la maman ou du père lorsqu'il est en contact avec la mère, d'accord? Et en ce moment,
lorsque les autres, c'est que après cet enfant, lorsque les autres viennent, généralement, c'est le résultat attendu des parents. Voilà. Maintenant, il nous faut malheureusement un tableau pour expliquer cela scientifiquement, c'est qu'avec les chiffres et tout ça. Donc, ça s'explique scientifiquement. La génétique est scientifique. La génétique n'est pas traditionnelle, c'est scientifique. Or, la tradition aussi n'est que de la science. C'est pourquoi il sera difficile de parler science et de parler tradition pendant qu'on a un langage africain. Voilà. Donc, c'est parlant de la génétique, on parle de la science, on parle de la biologie, on parle de la microbiologie. Et dans tout ça, nous avons la science et nous avons la tradition qui ne font qu'une seule science. Voilà. Ok, donc nous allons avancer. Ce qui est important, c'est que je prends un certain nombre de cas qui sont des cas typiques traditionnels. Oui. Et puis, on essaie de regarder. Ça, nous étions en train de parler de rite de naissance. Oui. Je vais par exemple entrer dans l'alimentation. Oui. Il y a par exemple un mets de chez nous qu'on appelle le ntobamburi. C'est la bread fermentée. Et quand j'ai vu la façon de préparer, d'abord ça m'a ramené, disons ça m'a amené à voir le processus de la fabrication du fromage camembert. Oui, tout à fait. Double pourriture. Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc, fermenté, voilà. Mm-hmm. C'est à peu près la même chose. Oui. Ce cas, par exemple, c'est un mets traditionnel. Oui. Et il est très prisé. Oui. Et après, je parlerai un peu du côté spirituel dedans. Mais allons-y d'abord. D'accord. Bien. Déjà, le taux bambouri, déjà, les anciens africains étaient très avancés, en tout cas plus avancés que nous. Déjà, ils nomment ce plat Ntobamburi. Or, déjà, on a Ntoba. Or, Ntoba est un mot composé. Dans Ntoba, nous avons Nto, la source, et nous avons Mba. Le Mba qui est énergie, fréquence, déjà. Le Mba varie. Il peut être Mba, il peut être Mbi, il peut être Mbé. Mbi comme Nzambi, Nzambé. D'accord? Donc, déjà, par le nom de ce plat, nous voyons la science déjà. Nous avons taux, la source, et nous avons énergie. Or, l'énergie va avec les calculs. L'énergie se calcule. D'accord? Et donc, effectivement, le toba maudit joue un très grand rôle dans le corps. C'est que c'est un plat qui accompagne les cellules dans le corps. Vous voyez? Donc, c'est non seulement un plat traditionnel, entre guillemets, c'est un plat traditionnel, mais moi je dirais que c'est un plat scientifique, parce que c'est de l'alchimie. Il faut faire pourrir la chose double fois pour que cette chose soit bénéfique aux cellules, à l'organisme du corps. Vous voyez un peu? Alors, lorsque le tobamburi, lorsque nous mangeons ce plat, ben nous sommes nourris en fer, d'accord? Nous avons les os qui se solidifient davantage. Nous avons ce plat traite la colonne vertébrale. D'accord, la colonne vertébrale, ça traite la plante des pieds et ça traite l'appareil digestif. Or, si c'était seulement traditionnel, ça ne traitait pas, ça ne donnait pas des solutions dans le domaine biologique. Vu que la biologie, c'est la science, et que ce plat intervient dans la biologie, c'est que ce plat est scientifique. Ok, justement, quand je disais une dose de spiritualité dedans, je crois que j'ai discuté avec quelqu'un. Qui parlait d'éviter de prendre le tobamburi par rapport à une situation particulière, parce que ça devait créer une certaine perméabilité sur le plan spirituel, par exemple par rapport aux attaques nocturnes ou des choses comme ça. Mm-hmm. Bon, sûrement que ça ouvre, ça doit ouvrir quelque part. Des portes qui disons que ça va faciliter par l'extérieur l'ouverture des portes pour pénétrer à l'intérieur de l'homme. Et en ce moment-là, lorsqu'on est dans les combats, par exemple, dans le cas du combat spirituel, il faut éviter de manger. Donc, c'était une façon de dire que même là, c'est scientifique. Oui, bien sûr. Parce que quand on parle de porte, moi, automatiquement, je vois la tridimension. Tout à fait. La tridimension. Bien sûr.
Et donc, ça intervient. Et tout ça, nous sommes dans la science parce que la spiritualité, vous avez dit au départ que la tradition est liée à la science est liée à la spiritualité. Tout à fait. Exactement. C'est dans ce sens-là. Alors, sur le plan culturel, lorsqu'on essaie de regarder la tradition et la science sur le plan culturel, nous avons, je crois, quel élément que j'ai voulu prendre pour chercher à comprendre les choses, par exemple la danse. Oui. Voilà. Bon, mais la danse, la danse est un ensemble de figures géométriques. Déjà, il faut savoir que le corps humain est une géométrie pure. C'est que le corps humain est composé de droites, de courbes, d'accord. Et tout ça, lorsque nous entrons dans de la danse, d'accord, nous avons des figures géométriques qui ont un langage, qui est un langage universel. Parce que quand on parle de la tradition africaine, on voit la science, mais nous savons tous que la science est universelle. Donc, lorsque nous sommes dans la danse, nous avons des figures. Et chaque figure a un langage sur le plan universel. Chaque figure a un langage. Les courbes ont leur langage, les angles ont leur langage, les droites ont leur langage. Alors, dans la science, avec la danse, il est possible de faire appel, par exemple, à des forces données, rien que par la danse, rien que par le mouvement des genoux et des pointes de pied, on peut appeler certaines forces de la terre. D'accord ? Avec les mouvements des mains et des doigts, on peut faire appel aux éléments de l'air. Or, l'air a une valeur absolue. Le sang, déjà, parce que pour danser, il faut du sang. Le sang a une valeur absolue. Lorsque le sang est composé avec les fréquences que dégage la chorégraphie de la danse, en ce moment, il y a des portes tridimensionnelles aussi qui s'ouvrent. Donc, ça explique aussi que même nos danses traditionnelles ne sont que des figures géométriques qui sont des clés et qui nous permettent de rentrer en contact avec certaines forces pour ajouter à nos vies ce qui nous manque. Ou si, par exemple, nous avons besoin, eh bien, rien qu'en dansant, nous pouvons avoir des résultats. C'est pourquoi, entre guillemets, je ne vais pas faire la pub de cette obédience, mais il y a des frères où on danse, il y a le dombage, par exemple, le dombage. Eux, ils dansent. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils dansent, beaucoup ne savent pas pourquoi ils dansent. Mais effectivement, parce que dans tout ça, bien que ce n'est pas ordonné hein, quand ils dansent, mais dans la danse, il y a des portes qui s'ouvrent, et c'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens, parfois, rien qu'en dansant, paf, 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 et puis ils tombent en transe, ils sont en extase, et ils reçoivent des informations. C'est justement parce qu'il y a un langage que le cerveau ne comprend pas, qui se passe à l'intérieur. Et ce langage est purement scientifique, traditionnel, donc scientifique. Ok, parmi les... Vous avez dit la danse, je me souviens, je crois que je devais encore être à l'école primaire. Bon, chez nous, il y a le balka. C'est à la fois musique et danse. Oui. Ok oui. C'est danse et musique, donc rythme. Oui. Alors, il y a vous voyez que... Ça se dansait pas du tout dans des grands milieux. C'est vrai qu'il y avait parfois des manifestations, des gens dansent le balka, mais généralement, j'ai croisé ces petits faits dans ce que nous pouvons appeler les petits bistrots traditionnels. Hein? Là-bas, en Lingala, on parlait de Ekala Mbenda, donc c'est restreint. C'est comme dans les endroits où... par exemple, au plateau de 15 ans, au marché plateau de 15 ans, il y a un endroit où les gens se retrouvent pour prendre cette boisson forte. C'est presque un liqueur traditionnel qui est comme de l'eau. Comment on appelle ça? Le lotoko. Le toko. Voilà. Le toko. Ou le waka. Vous voyez dans les petits milieux comme ça. Oui. Et il y a, en ce moment-là, il y a des choses bizarres qui se dégageaient. Quand je dis bizarre, je veux parler de la bizarrerie. De la spiritualité ou de la métaphysique où les gens peuvent se dédoubler, ils font... Mais dans la danse, le balka, oui. J'ai vu quelqu'un en train de danser, on dit ramasse les 10 000 francs par terre, par la bouche. Et il a fait un mouvement, il s'est retourné par la bouche, il a pris le billet de banque qui était par terre. Mais quand vous regardez le genre de... Oui. Oui. De la figure géométrique qu'il forme. Oui, oui.
pour, hein? À vrai dire, en étant normal, on ne peut pas faire cette figure. Oui, ouais. C'est une forme de tort qu'il fait, et puis il s'est renversé, il a pris et il est debout. Ça, c'est un fait. Un autre fait que j'ai remarqué, j'ai constaté toujours pendant que je suis à l'école primaire, des gens qui sont en train de boire, cette histoire de boucher quelqu'un dans le verre. Mm-hmm. Oui. Ouais. Oui. Il y a quelqu'un qui vient au secours, mais il ne vient pas au secours simplement comme ça. La musique, il chante, il vient, il constate, il a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il se met à chanter, et puis à danser, et puis il fait des trucs bizarres là, c'est des formes qu'il décrit, mm-hmm. Et puis hop, il a libéré la personne. Tout à fait. Tout à fait. C'est des techniques de vie, là, parce que c'est ce que nous sommes. La fréquence traverse le mur, la fréquence traverse le béton. Or, l'homme est composé de plusieurs corps. D'accord. Déjà, quand on dort, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais plusieurs corps, comment, alors que tout est physique, il y a effectivement plusieurs corps. Parce que déjà, quand on dort, hein, quand on dort, le corps se trouve au lit. Mais pourtant, nous sommes ailleurs, en train de faire autre chose. Voilà. Donc, le corps a plusieurs dimensions, et ces dimensions sont aussi conscientes. Alors, il y a des gens qui ont la maîtrise de cette technique, sans pourtant dormir, mais peuvent être dans cette réalité, mais avec ses autres corps. Donc, lorsqu'une personne est bloquée dans une bouteille, en fait, ce n'est pas le corps, parce c'est que le corps est sur place, physique, voilà, oui. Voilà. Mais c'est l'un de ses autres corps, c'est précisément l'onkuyu. Hein, l'onkuyu, ce que les autres appellent par fantôme, le fantôme. Le Nkuyu, c'est cette énergie, c'est un autre nous qu'on ressent même lorsque vous passez la main, votre main sur votre corps, vous voyez qu'il y a une petite chaleur. Et c'est un Nkuyu là qu'on bloque dans la bouteille. Et c'est un Nkuyu qui aussi, très souvent, quand il y a un décès, mais il y a des gens qui peuvent comme percevoir celui qui est parti, la personne qui est partie. C'est le Nkuyu, c'est un de nos corps qui... Donc c'est ce corps qui est souvent très confronté aux attaques mystiques, comme on dit. Alors celui qui a la connaissance, et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il sort aussi avec son Nkuyu et il nettoie la fréquence, il nettoie le milieu, ce petit univers sous forme de micro, ce petit univers de lequel est bloqué cette personne. Et bien lui, il rentre aussi dedans parce qu'il devient une fréquence. Et puis, avec des techniques assez spécifiques, mais il reçoit la personne étant sur place, physique, à côté, mais il a un de ses corps qui rentre et puis qui récupère. Et ça aussi, ça s'explique, parce que de là où il est, et de là à la bouteille, il y a une distance, d'accord? Donc, la distance se calcule. Il y a une distance parcourue, la distance se calcule. Et lorsque la distance se calcule, et lorsque le nom ou les entités qui accompagnent la personne bloquée, d'accord? Lorsque le nom de la personne est calculé de manière scientifique, de manière subtile. Alors, vous rentrez calmement dans la bouteille et puis vous récupérez l'individu bloqué, simplement. Et ça, c'est de la physique quantique. Les Occidentaux, aujourd'hui, rêvent de... Parce qu'ils savent qu'avec des moyens techniques, ils ne peuvent pas arriver sur la Lune. Ils ne peuvent pas arriver sur la Lune. Parce qu'ils ne sont jamais arrivés sur la Lune, hein, je suis désolé. Il y a de ceux qui veulent... En fait, qui cherchent déjà des exoplanètes. Ils se disent que la Terre pourra exploser d'ici peu, donc ils sont à la conquête des autres planètes. Mais ils savent qu'avec le matériel physique, ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de développer une technique à partir de la physique quantique qui les permettront de quitter d'un point A à un point B sans subir les chocs de la distance. Mais ça, nos ancêtres le font. Ils l'ont toujours fait. Aujourd'hui encore, c'est caché parce que les Noirs ne sont pas prêts actuellement à connaître ces vérités, parce qu'ils ne veulent pas. Mais on a des anciens qui, lorsqu'ils quittaient son village pour aller chez sa sœur ou voir ses neveux, ils venaient, ils parlaient à un arbre, et en communion avec l'arbre, ils traversent et puis ils se retrouvent chez la sœur. C'est la téléportation. C'est juste les noms qui changent. Lorsque les Occidentaux prononcent téléportation dans les films, ou la désintégration, c'est beau pour le monde. Mais lorsqu'on dit Mpini ou Njalumuka, ça devient un problème. Oui, pourtant, donc, il y a un problème de paradigme, c'est tout, c'est l'interprétation. Oui. C'est de la science. Parce que dès qu'ils réussissent, le jour où ils réussiront à téléporter une personne de la Terre à la Lune, ben, ils seront comme nos anciens qui, sans matériel, se sont déjà téléportés
de Kinshasa à Brazzaville, de Brazzaville à Dakar, ou encore il y a ceux qui vont, même chez le soleil, excusez-moi, mais il y a des anciens qui vont dans le soleil actuellement. Oui, là vous me rappelez, bon, je n'ai pas vérifié, mais ça s'est dit, je le dis, je dis bien que je n'ai pas vérifié, ça s'est dit d'un monsieur qui se trouvait en France, qui avait passé beaucoup d'années, qui ne voulait pas venir rendre visite à ton frère, oui, qui voulait dire, mais viens, mais pourquoi depuis que tu es parti, tu ne viens pas? Il dit, il envoyait toujours l'argent. Quand il y a une situation, on voit l'argent, il dit, je suis occupé, vraiment, papa comprend. Et puis, un beau jour, papa, il dit, bon, je vais te montrer que je suis ton père. On dort, on se réveille, il est à Brazzaville. Oui, tout à fait. Il se réveille dans sa chambre de Brazzaville. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Il dit, non, calme-toi. Moi, je te demande de venir. Je vais te voir, viens, tu ne veux pas. Bon, moi, je t'ai fait venir moi-même. Oui, oui, c'est logique. Et il est resté pendant 2-3 jours, on l'a vu. Et puis un autre jour, on dort, il se retrouve de l'autre côté. Oui, oui, tout à fait. Et pendant qu'il est ici, il appelle sa femme pour dire, non, calme-toi, je suis à Brazzaville. Oui. Mais comment tu es parti sans me dire, dis, non, calme-toi, je vais t'expliquer. C'est compliqué. Et il repart, il arrive. Oui, oui. C'est ça, cette téléportation. C'est la physique quantique, c'est la téléportation, c'est le MPNI. C'est une science de transition, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses. Donc c'est les noms, juste, c'est les noms. Les gens pensent qu'en prononçant ces mots en anglais ou en français, c'est moins mystique, moins compliqué, pourtant c'est la même chose. Ok, alors donc voilà un peu, c'est... Il y a aussi un autre élément, ça je crois que comme le temps est en train d'aller, nous allons peut-être chuter après ça, l'histoire de l'eau. Oui. L'eau. Oui. Parce que ça fait partie des quatre éléments. Tout à fait. Hein, l'eau, l'air, la terre, le feu. Mm-hmm. Mais l'eau. Je me souviens que il y a un certain nombre de mots, hein, donc maladie, mal, mots, mm-hmm. Que notre grand-mère traitait à partir de l'eau. Oui. Mais quelle eau? Généralement, lorsqu'on fait toute la saison sèche, il n'y a pas plu. Mm-hmm. La toute première pluie. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a les changements climatiques. Mm-hmm. Mais avant, on savait que à partir de entre tel mois et tel mois, c'est la saison sèche, il n'y a pas de pluie. Mm-hmm. Et donc, la première pluie, c'est cette première pluie-là, l'eau de cette première pluie. Mm-hmm. On gardait toujours. Il y avait toujours 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, ouais, 5 litres d'eau qu'on a gardé quelque part. Lorsqu'il y a quelque chose, on pouvait utiliser cette eau. On me parle aussi de la pluie, l'eau de pluie sous la pleine lune. Oui. Alors, il y a quel impact scientifique? D'accord. Scientifiquement parlant, déjà, il faut savoir que entre le soleil et la Terre, il y a une couche que nous appelons l'atmosphère. L'atmosphère est un ordinateur qui enregistre des données solaires, d'accord, et qui les gardent, hein, qui les gardent et nous les transmettent au fur et à mesure. La première pluie, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à cette première pluie? C'est tout simplement, scientifiquement parlant, c'est tout simplement parce que l'atmosphère alors est très chargée. Donc sur le plan géographique de notre territoire, l'atmosphère est chargée de rayons ultraviolets déjà et le magnétisme est très élevé, le magnétisme. Alors, lorsque l'eau, donc la vapeur, paf, tout est sur les nuages, alors cette charge du soleil qui est contenue dans l'atmosphère est libérée. Alors, lorsque cette eau tombe, elle est hyper chargée. Elle est hyper chargée à un point où elle te guérit n'importe quelle maladie. Lorsque aussi, vous êtes conscient d'abord de ça, et lorsque vous avez ces clés qui vous permettent de prononcer 2-3 phrases pour que ces portes de transmission d'énergie s'ouvrent. Voilà. Donc, c'est grâce au soleil dans l'atmosphère libérée et la connexion entre l'atmosphère et les nuages qui sont plus proches de nous. Lorsque l'eau tombe, l'eau est chargée, scientifiquement parlant. Alors, donc, ça se comprend justement. Il y a un élément clé, c'est les mots. Donc, mm-hmm. la clé, les mots. Oui. Qu'on prononce lorsqu'on est en train de, par exemple, d'asperger cette eau. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que l'eau est une dimension où il une dimension aussi habitée par des êtres qu'on ne peut pas voir avec l'œil optique. L'eau est habitée, le feu est habité, hein, le soleil est habité, la terre est habitée.
Alors, lorsque vous prononcez ces mots ou ces phrases, en ce moment, ça accompagne les éléments, les êtres de ces dimensions, vous accompagnent et vous viennent en aide. Ok, donc le dernier, c'est l'eau sous la pleine lune. Bon, déjà, c'est grâce à la pleine lune que les eaux ne débordent pas. Si les océans ne débordent pas, c'est grâce à la lune. Pas la pleine lune, c'est grâce à la lune. Parce que la lune a ce pouvoir de contenir les pulsions énergétiques des océans. D'accord? Alors, lorsque vous prenez l'eau et vous mettez, par exemple, sur les toits pendant trois nuits de pleine lune, eh bien, et que vous lavez avec cette eau, vous êtes à vous contenir. C'est que pour les gens qui ont des problèmes de nervosité, pour des gens qui ont des pertes de mémoire, ou encore qui sont souvent embrouillés, ou encore les malades atteints de l'Alzheimer, on dit. Hein? Voilà, voilà. Ça aide à vous contenir, mais encore plus. Même les malades mentaux, les fous, tout ça, ça contient votre énergie. Et ça vous oriente. Voilà. Donc, scientifiquement, ça s'explique. On ne dira pas que c'est mystique, parce que la lune est loin, et puis après, il y a la pluie, la pluie, l'eau tombe et tout ça. Tout s'explique. C'est que de par cette force que la lune dégage sur la Terre, eh bien, lorsqu'on charge l'eau avec la lune, en ce moment, cela vient soulager plusieurs personnes étant dans des situations plus ou moins désastreuses sur le plan anatomique. Ok. Donc, pour arriver à la fin, je vais m'accrocher sur l'exemple de l'eau de pluie, mais la première pluie. Oui. On dit, bon, oui, mais c'est traditionnellement, on prend l'eau de première pluie. C'est la tradition. On démontre que non, on fait ceci, on dit tel mot et tel mot, et puis c'est fini. Ah oui, mais ça, c'est la tradition. Mm-hmm. On n'a pas vu qu'il y avait un élément scientifique. Tout à fait. Vous voyez? C'est ça. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faudrait qu'à la fin, qu'on se rende compte que la tradition, c'est la science. Tout à fait. Chez nous. Tout à fait. Et donc, peut-être qu'on n'a pas pu avoir la possibilité de transcrire tout ça et tout, oui, pour faire une certaine démonstration que l'eau là, parce qu'il y a eu ce que vous venez d'expliquer. Et c'est ça la science. C'est voilà c'est donc un peu, chers téléspectateurs, comment nous voulions... Hein, montrer un peu avec certains exemples. Et on peut multiplier des exemples. Bon, l'émission, c'est un petit temps donné. C'est pour vous ouvrir les portes afin de bien regarder et puis de bien mûrir les choses. Peut-être que vous avez un dernier mot par rapport à ce sujet. Et... Oui. Bon, ben déjà, je veux dire que le son, parce que déjà, lorsque nous parlons, le son qui sort de nos bouches, des appareils ici, tout autour, le son a une valeur absolue constante. Et c'est cette valeur absolue qui permet à ce que nous puissions décortiquer ce qui est caché, ce qui est naturel, pour le rendre aussi scientifique possible. D'accord? Donc, le son est traditionnel, parce que déjà, on a des chants, hein, des chants traditionnels, lorsqu'on les chante, et puis paf, ça amène ailleurs. Donc, dans le chant, nous avons le son, nous avons le rythme du son. Le rythme se calcule, le son se calcule, et lorsque ces éléments fusionnent, ça sort une équation et ça nous donne un comportement donné par rapport à au résultat de l'équation traitée. Je vais matérialiser ça. Je dis matérialiser par un exemple. Quand quelqu'un pleure, oui. Oui. Ça veut dire que c'est un enfant qui pleure. Mais qui l'a tapé? Dans la tête, on est en train de voir là ce qui se passe. Oui. Une grande personne est en train de pleurer dans la maison. On va dire, ah, il y a quelqu'un qui est mort. Les différentes situations. Tout à fait. Parce que le son. Voilà, tout à fait. Si c'est, ils se sont battus aussi, il y a une façon de pleurer. Tout à fait. On va dire, il y a eu bagarre. Exactement. Là-bas. Voilà un peu ce qu'il a voulu dire tout par son équation et tout. Voilà. Donc, c'est par ces mots que nous baissons les rideaux de ce numéro particulier du Triangle du Savoir. Merci, chers téléspectateurs, de toujours nous suivre. Merci à M. Ovunda. Merci, hein, merci, M. D'être passé, vraiment d'avoir accepté de discuter de cette question. Merci, merci. Et voilà, merci à, bien sûr, Ernie Kenguya, qui était à la fois à la régie et aux caméras, bien sûr, appuyé de Gervain Mboaka. Merci. Et nous disons aussi merci à vous qui nous suivez chaque fois. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée chez vous.
On se retrouve à la prochaine occasion.